Le Forum d'investissement et d'affaires Espagne-Maroc a ouvert ses portes. Visant à mettre en évidence le renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays, ce forum donne suite à la récente visite d'État du roi et de la reine d'Espagne. Ce mardi et mercredi à Casablanca, les deux pays accorderont une attention particulière à la promotion des investissements. Avec la participation de 300 représentants de l'administration publique et du secteur privé des deux nations, plus de 50 entreprises pourront explorer les opportunités d'investissement et de commercialisation au Maroc. Nous sommes en train de renforcer la politique d'internationalisation des entreprises espagnoles. Le Maroc jouit non seulement d'une proximité géographique avec l'Espagne, mais aussi de liens culturels forts qui nous unissent. C'est pour cela que le Maroc fait clairement partie des pays inclus dans notre stratégie d'internationalisation d'entreprises. Le Maroc et l'Espagne ont considérablement renforcé leurs liens commerciaux ces dernières années. L'Espagne est devenue depuis 2012 le premier partenaire commercial du Maroc. Aujourd'hui au Maroc, nous avons plus de 1000 opérateurs espagnols qui participent aujourd'hui au développement du Maroc. Le Maroc est un grand chantier ouvert, une grande plateforme également d'accès à l'Afrique. Et les compagnies espagnoles sont de plus en plus présentes au Maroc. En tant que deuxième destination des exportations espagnoles hors Union européenne, le Maroc représente un marché essentiel pour l'Espagne. Dans l'ensemble, les échanges entre les deux pays ont atteint en 2018 plus de 160 millions de dirhams, valeur qui a doublé au cours de ces 6 dernières années.